Assalamu alaikum. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment réaliser ce type d'effet, c'est-à-dire changer le ciel d'une vidéo. Là, vous voyez comment ça s'est fait. Donc, pour faire ça dans KineMaster, premièrement, vous partez dans l'appli Partie New. Vous choisissez votre vidéo. Moi, je vais prendre la vidéo que j'avais choisie. La voici. Là, vous voyez comment est l'état du soleil ou bien du ciel. Je viens au niveau d'ici, couleur. Je vais prendre la couleur rouge. Je descends en bas, ici. Je valide ça. Ensuite, je vais maintenant dupliquer ça sous forme de couche. Je vais prendre split screen, ici, pour que ça prenne tout mon écran. Je descends en bas. Je viens ici. Je vais désactiver la couleur. Je pars au niveau de blend ici, mélange. Je vais prendre screen. Là, je vais réduire l'opacité 74 ou 75 comme ça. Ça me paraît bien. Ok, là, c'est parfait. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'exporter cette vidéo. Je vais exporter la vidéo. Vous allez patienter quelques secondes. Ok, je retourne depuis le départ, je recommence, New. Je pars chercher une image, l'image de mon ciel. Ok, là je vais prendre quel ciel, attendez un peu. Ok, je vais prendre le ciel là, c'est bon. Maintenant, ce que je dois faire ici, c'est de partir dans l'AE. Non, je vais d'abord repositionner très bien ici. De telle sorte que ce soit seulement le ciel. Parce que là, quand je prenais comme ça, on avait le reflet d'en bas qui sortait. Là, j'ai seulement le ciel qui s'affiche. Une partie du ciel. Voilà, ça me paraît bien. Je vais valider ça. Je pars chercher la vidéo dans KineMaster, celle qu'on avait exportée. Je vais prendre Split Screen. OK. Je vais étirer l'image jusqu'à la fin de ma piste vidéo. Je pars au niveau de ma vidéo en bas. Ici, je vais couper. Ok, je pars sur ma vidéo. Je vais descendre au niveau de Chroma Key. Ici, j'active. Donc maintenant, à partir de là, vous voyez ce qui vous semble le plus bon. Vous le faites. Là, moi, par exemple, ce que j'essaie de faire ici, c'est de vous montrer à titre d'exemple pour savoir comment faire. Donc, une fois que vous aurez compris le procédé, vous allez choisir vous-même ce que vous voulez faire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Laissez-moi un commentaire si vous aimez ce type de vidéo pour que je puisse savoir et continuer sur cette lancée. Laissez-moi une critique de ce que vous pensez à propos de mes vidéos. Après ça, vous exportez. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.